Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vais vous faire un petit live de nuit. Là, je suis actuellement sur la place de l'église, comme vous pouvez voir. Dedans, en fait, il y a des messes qui sont diffusées. Et entre chaque messe, il y a des musiques un petit peu. C'est assez sympa. Le jour où j'y suis allé, j'ai mis une petite story sur Facebook. Donc, sur cette place, il y a également le service municipal qui est là. Et ils ont fait un sapin de Noël, mais ce soir, pas de chance pour vous. Il n'est pas allumé, quoi. Donc, voilà. Là, on va se rendre dans la rue... Rodrigo Hidalgo, je crois, si j'ai pas une bêtise, c'est cette fameuse rue que je vous parlais, donc là où il y a tout le commercial, hein. Il y a toutes les boutiques. Un petit peu. Et donc voilà, ça c'est le truc qui est assez sympa, c'est plutôt street food. Alors bon, ça c'est côté sucré, hein. C'est churros, vous connaissez le principe. Ce soir c'est churros, ouais. Oh, c'est bien ça, churros. C'est les prix. Bon. Donc voilà, ça c'est le côté économique. Vous mangez donc ces petits stands un peu partout. Bon, ici ils vous proposent quasiment tous du tacos, hamburger et hot dog, on va dire. Fiance américaine. Il y a beaucoup d'américains en ce moment d'ailleurs. Vous voyez tous ces petits magasins de quincaillerie, si je peux dire. Ouais, ils vendent tous la même chose à peu près, hein, tous à des prix. Équivalent, ça se négocie, je pense, pas trop. Tout à l'heure, j'ai parlé avec le coiffeur, par exemple, j'ai essayé de négocier, il me proposait 200 pesos, sachant que je l'ai payé 160, 170, je crois, Cancun. J'ai négocié à 150, il m'a dit oui, donc tu vois, c'est possible. Dans un différent établissement comme ça, hein. Le Sardinia Smile, vous voyez, c'est assez sympa. Et je vous montre un petit peu à quoi ressemble la carte, si vous voulez, voir à peu près une idée des prix. On part sur le côté d'un de ces côtés restaurants italiens. $270. Voilà, vous avez un petit peu une idée des prix, à quoi ça ressemble ici. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas cher. Bon, voilà, 260 pesos, ça fait 3 fois, ça fait 8, ça fait 12, presque 12, 11 euros, 10, 11 euros. Mais le truc, c'est que bon, quand vous venez une semaine ici, vous n'avez rien à foutre, vous payez, c'est facile, ça va. Si vous restez sur du long terme, ça fait tout de suite vite un budget par jour. Parce que si vous comptez 10 euros par repas, 20 euros par jour, plus 20-30 euros d'hôtel, vous êtes à 40, vous n'avez pas fait d'activité encore, ça vous fait 50 euros par jour, vous voyez. Bon, moi, c'est pas du tout mon objectif. C'est pour ça que je mange la street food ou même je cuisine moi-même dans la cuisine à l'hôtel où je suis. J'essaye de, en gros, que ça me coûte à peu près 10 euros d'hôtel, on va dire, par jour. En moyenne, hein, j'ai vraiment une moyenne. Je dirais, je suis plutôt autour de 12, on va dire. Et qu'avec la nourriture, je sois à 20. Voilà, c'est l'objectif. Donc, si j'arrive à économiser, ben, je me fais des activités en parallèle. Selon le budget, si je l'ai bien respecté, je me fais une belle activité, genre les visites. Vous allez au Chicken Sa, j'aimerais vous montrer ça plus tard dans les vidéos. Chichen Itza, ça représente au moins, je pense, au moins presque une centaine d'euros la journée. Le temps de transport, la visite, les guides, il faut payer l'autorisation de filmer, enfin tout ça. Donc, ça, bon, on verra prochainement. De toute façon, c'est prévu dans le voyage. Donc vous voyez, là c'est le magasin, le Oxxo. C'est le magasin que vous trouvez partout ici. Vraiment, il y en a... C'est le 7-Eleven si vous voulez en Asie. Bon, ben là c'est le Oxxo. Il y a un 7-Eleven aussi sur Islamorès. Parce que je suis toujours à Islamorès, pour ceux qui n'auraient pas fait attention. C'est toujours l'île qui est en face de Cancun. Vous voyez. Des établissements qui sont tout à fait corrects. Voilà. Ah, ils sont corrects, hein, voilà. Bon, moi je cherche toujours les petits oui-oui, mais parce que ça, vous payez le prix, quoi. Donc, normalement, vous allez trouver des restaurants avec de la musique. Là, il est peut-être un peu tôt, je filme assez tôt. Après, ça part un peu en freestyle. Les gens mangent à partir de 10h, c'est un peu plus musical. Il y a du monde, hein, c'est tout le monde vient manger à ça. Hein. J'attends, je vais avancer un peu, je vous montrerai une carte. Je vais vous montrer une carte sur un prochain restaurant un peu plus loin pour voir. Donc la friperie, faudrait que j'arrive. Le problème c'est qu'ils mettent pas les prix, donc vous voyez. Ici vous allez trouver beaucoup de trucs de joaillerie. Ils sont pas forcément très chers. Vous trouverez beaucoup de petits souvenirs, hein, qui font penser bon le Mexique. Le poncho.
jour je regardais le prix, c'était pas donné. Hein. J'avais regardé à Cancun, c'était un truc comme, je sais pas, 25 balles, je crois. Bon, cadeau souvenir, bon, voilà, c'est rigolo, mais bon, c'est pour mettre dans la chambre. Hein. Tout ça sur les t-shirts. Bon, comme je vous l'ai dit, il y a de fortes chances qu'ils me censurent la vidéo. Alors, parce qu'à cause de la musique, vous entendez à droite à gauche. Si elle est reconnue par YouTube, ils vont mettre les droits d'auteur. Alors, soit il n'y a que les abonnés qui peuvent la voir, soit tout le monde, mais elle n'apparaît plus dans les moteurs de recherche, soit ils me la bloquent complètement, et puis donc en gros, je la fais pour elle. Mi casa es tu casa. Tequila. Dun, 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 dun. Tequila. I have to try for that. Voilà. Donc ouais, avec le stabilisateur, les gens me regardent comme si j'étais un Claire Chazal. Jean-Pierre Pernaud, si vous préférez. Bon, voilà un autre type de carte. Voilà, donc on est sur du tacos. Là, tu vois, on est à 180 euros les trois tacos. Moi, là, je suis juste à côté de l'hôtel. Là, on est donc c'est la rue qui est derrière, en parallèle. Hein. Je paye 15 euros le tacos. C'est un petit truc plus sympa. Voilà, c'est juste qu'on est sorti de cette rue. On parle en dollars. Hein. On est à 20 dollars quand même sur le. Ah non, c'est langouste par contre. Tu vois un peu. Mais là, c'est pas 20 dollars. 300 grammes la langouste de 650 pesos. 6 x 4,24. Ouais, c'est un peu plus que ça, ça fait 25 euros presque. La langouste, ça fait cher quand même. Il y a moyen de trouver beaucoup moins cher sur des marchés locaux. Voilà, si vous voulez changer de lavabo, salle de bain, petite déco un petit peu à la mexicaine. Une idée. Voilà. Donc voilà, je me fais interpeller toutes les deux minutes. Parce que le touriste est une bonne banque. Oui, c'est mignon. Donc là, restaurant un peu plus. J'ai un restaurant italien là. Donc, fait maison, soi-disant. Hein. J'ai pas testé. On est donc à 8 euros, 8-9 euros là, la pasta. Voilà, tout de suite, c'est un peu plus classe. Hein. Des endroits t'as pas forcément envie d'entrer, mais franchement ça veut rien dire. Bon, dans les rues, ça soit sur la rue là à gauche en parallèle, parce que là je suis en train de remonter la rue en fait, ou sur la droite là-bas, t'as deux rues en parallèle, les deux c'est là où tu trouves la street food vraiment pas cher, et ça vaut le coup, c'est très bon. Ah, par contre j'ai mangé ici parce que j'ai payé, je sais pas s'il a sa carte là que je vous montre, donc il est refait. Ah si, c'est ça. Non. Et il l'a enlevé. C'est en fait, il fait le. En gros, c'est un espèce de menu. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une espèce de truc de fajitas, là, un petit peu. Ouais, c'est comme le pain, en fait. Si c'est remplaçant, il y a des petites galettes de. Comme chez nous, de wrap, quoi, mais toutes petites. Et donc, ils font donc. Les tacos. Ça, servi avec un demi-poulet, avec une espèce de bouillon de soupe de pâte, avec cette fameuse. Fameuse purée de haricots. J'ai payé 100 pesos, c'était 4 euros. Franchement, tu sors table, t'es calé, blindé. Hola, amigo! Tanto bonito! Voilà, le finest bar. Uh-huh. You have the cup. Ouais. Le cas, ça reste un prix correct. Je crois qu'il y a un groupe qui s'échauffe, peut-être j'entends des combats. Je suis passé là un soir, je sais plus, c'était dans la semaine. C'était un peu plus tard, vers minuit, c'était le feu.
Donc vous pouvez le voir dans les rues, bon il y avait un petit peu de monde tout à l'heure, mais c'est pas non plus... Normalement c'est blindé là à cette époque, hein. C'est juste que bon, bah, c'est un peu limité. Beaucoup d'Américains rentrent sur le territoire. J'ai regardé les statistiques hier sur, sur un site de voyage, je regardais où est-ce que les Français partaient. Pas mal de Français viennent ici, j'ai vu, parce que ça reste une destination ouverte. Au Brésil aussi, c'est encore ouvert actuellement. Après il vous reste, je crois, l'Espagne, la Grèce. Après les îles, je crois, la Réunion, s'il y en a quelques-uns qui vont, ça reste ouvert. Après ça se complique un petit peu quoi. Souvent par exemple, là je sais que j'ai rencontré une nana là, qui, une londonienne dans un hostel. Elle est venue passer 15 jours ici et le fait d'être 15 jours ici, elle a pu rentrer en Amérique. Sinon il y a interdiction formelle de rentrer, le transit impossible non plus. Et elle a pu passer, hein, ça fait un petit moment qu'elle y est quoi. Les attrape-prèves. Hola amigo. Les petits bracelets, les flûtes, les guitares, les poupées, on en trouvait. Serpent. Bon là déjà je vous le dis que la musique c'est clair que je me fais censurer. C'est trop fort. Ah il y a la broderie aussi quand même qui est pas mal. Et les choses qui font. Ah, c'est pour faire des sets de table par exemple, ou des trucs comme ça, vous redécharez. J'ai bu un verre aussi ici, la pendue sur les trucs. C'est assez sympa. Sort chiller un petit peu, tout ça. Le concept. Dans l'ancien hôtel, le Nomade aussi, il y en avait également. Bon, après, on est dimanche. Hier, c'était samedi soir, tout le monde s'est un peu enjaillé. Donc, je pense que les gens sont aussi plus calmes ce soir. Et il y a ce bar là, ouais. Je crois pas y avoir mis les pieds, je dis bien, je crois bien, parce que l'autre soir on est sorti, on en a fait plusieurs, mais je ne semble pas y être allé dans celui-là. Et c'est du live music, voilà. Et les cartes traditionnelles, hein. Pasta, pizza, hamburger, voilà, c'est ce que vous trouvez tout le temps, c'est ce que vous trouvez partout. Boire un verre ici, tiens d'ailleurs, après je finis la vidéo, vu que je suis ici, je suis en bout de rue, donc voilà, c'est ce que je voulais dire. J'arrive en bout de rue, on retrouve les stands de street food. Alors là, le truc qui marche bien généralement, c'est la banane Nutella. Je vous la fais chauffer, ça c'est sympa. Je veux juste savoir, disculpa amigo, quanta grossa è la banana con cioccolato? 35 amigo, 35 pesos, ça fait 100 pesos, 4 euros. 100 pesos, ouais, ça vous fait 1 euro quelque chose quoi. Donc kebab, les bananes, fameuses bananes flambées. Là, on est sur du hot dog, je crois. Quand même pas chaud, souvent. Parce que je voyais des sauces, je croyais que c'était la mayonnaise, mais. Voilà, je vais juste faire mon petit stand où j'achète des de temps en temps, parce que c'est rare, mais des petits hot dogs la nuit. Parce que vu que en ce moment j'essaye de manger très peu et genre des fruits à le midi et une petite salade le soir, ça m'est arrivé le jour d'avoir un creux à 2h du mat, c'était le seul qui était ouvert. Donc je lui fais un petit coup de pub en passant. Il se trouve dans la rue Guerrero, quand vous remontez en direction de la plage de Playa Norte. Ouais, parce que là, à 300 mètres là, il y a la plage. Hop là, let's go.
Oui, donc là il y a toujours du monde. Le mec il est pas cher, je crois qu'on est à 25 pesos le hot dog. Et 40 je crois l'hamburger. Oui, c'est des trucs comme ça. Hein. Et vous trouvez sur les hot dogs. Voilà, c'est histoire de faire un petit coup de pub. Bon, moi je vous dis à bientôt. Je pense que la prochaine vidéo, je serai sur Playa del Carmen. Parce que là, je vais m'en aller d'ici 2-3 jours. J'ai bien profité, j'ai bien chillé. C'était sympa, la plage et tout. Je vous dis à bientôt. Voilà, passez une bonne fin de soirée.